Eh bien, le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en mode YOLO. Et aujourd'hui les amis, un épisode fort spécial parce que j'ai décidé d'aménager le spawner que vous avez vu la dernière fois. Comme ça va me permettre les amis de pouvoir farmer des levels, des P4 pour enchanter une armure qu'un abonné m'a donné. Dédicace à Matrix, qu'on peut voir dans le tab. C'est lui qui m'a donné cette armure là, et puis je compte bien l'enchanter niveau... niveau P4, et puis dans le cinquième épisode, allez, PVP! So voilà, je compte faire ça. Hop là, un instant, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je sais que les premiers épisodes vous ont plu, les amis. Je suis vraiment content, ça me fait vraiment plaisir que les épisodes vous aient plu. Surtout le premier a cartonné, disons ça ainsi. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais, cool, man, et Icons. Puis il y en a d'autres dérageux qui faisaient genre, ouais, Icons, tu fais ça que pour la thune et tout. Faut savoir, les amis, que bon... Si je veux dire, j'ai été payé 2€ pour upload un trailer, c'est pas... si je veux dire, c'est pas avec ça que je vais aller m'acheter... je vais aller m'acheter des putes, hein, je veux dire, entre vous et moi. Je fais ça vraiment à la base pour aider mes amis. Et surtout, aider, ben, les serveurs, quoi, je veux dire. Souvent, je vais faire des petits let's play comme ça, je sais pas, moi, peut-être qu'un d'entre vous, les amis, va aimer le serveur, venir sur le serveur et trouver que c'est son serveur préféré. Fait, moi, j'aime ça, commencer à jouer, puis parler avec vous, surtout... c'est cool, parler avec vous et tout, so, moi j'aime bien, puis après ça, voilà. Il y en aura toujours qui vont rager, après si vous êtes pas content les amis, vous savez, il y a le bouton désabonner sur ma chaîne YouTube, vous vous désabonnez. Ou vous pouvez mettre des pouces rouges aussi, ça me dérange pas trop en fait, vos pouces rouges, ça me fait juste rire en fait, parce que mettre un pouce rouge sans vraiment dire dans les commentaires, exemple, ouais j'aime pas trop si ça, ça. Il y en a qui le font des fois, hein. Il y en a qui le font, ils me disent, ouais quand j'ai mis un pouce rouge parce que, regarde, j'ai pas aimé ça, ça et ça. Puis ça, ça me fait super plaisir parce que moi, ça me permet de m'améliorer. Tandis que si vous me le dites pas vraiment, les amis, je peux pas vraiment nécessairement le savoir que ça vous, qu'est-ce que vous aimez pas. Et je vais sûrement continuer à le faire. Alors, dernièrement, comme vous avez pu voir, j'ai arrêté, vous m'avez dit que je faisais trop de coffres sécures et tout. J'ai approuvé, je suis d'accord, j'en ai trop fait. Fait que j'ai arrêté d'en faire. Par exemple, je trouve que j'ai pas assez montré comment faire des mob spawners. XDMDR, PTDA. Non, sérieusement, ça va être la dernière fois que je vais vous montrer comment faire un mob spawner. Jusque là, j'ai trouvé un mob spawner, puis j'avais besoin de vous parler vite fait. Fait que voilà. Fait que ouais, c'est rare que je fais des mob spawners. Là, j'ai décidé d'en faire un. Mais voilà. Je sais pas ce que vous voulez voir dans ce PvP faction, les amis. Je sais un peu à peu près ce que vous voulez voir, mais je veux dire, pour pas que me répéter dans toutes mes séries, j'aimerais que vous me disiez ce que vous voulez voir sur Pluto. Il reste normalement quelques épisodes, j'espère du moins. J'espère qu'il reste quelques épisodes. Moi, je prends du plaisir à jouer. Je vais voir si je vais rester sur le serveur après vos commentaires dans les autres vidéos. Là, il y a juste la première, la première qui est sortie. Le jour de mon anniversaire. Fait que ça, je suis content. Après ça, faudra voir ça. Attends, en fait, il y en a deux qui sont sortis. Ils sont sortis un qui est sorti le jour de mon anniversaire et puis l'autre qui est sorti le dimanche. Fait que ouais, ça fait quand même ça fait quand même un bon petit bout. Il y a deux épisodes qui sont sortis. J'ai pas vu les retours de l'épisode de dimanche. J'ai juste vu les retours de l'épisode du 12 février et qui était quand même assez bien, je trouve. Personnellement, il y en a qui en ont aimé, il y en a qui ont pas aimé. Bon, après, je peux pas plaire à tout le monde comme j'ai dit juste avant. En gros, les zombies vont tomber là. Faut remettre des sources d'eau là qui font faire tomber les zombies là. On va mettre deux sources d'eau de chaque côté là qui vont faire amener les zombies en plein milieu. En mode genre là. Au pire, tu sais quoi, je pense que même les sources d'eau, ils sont corrects puis ils vont se rendre là. Fait qu'en gros, les zombies vont tomber directement là. Puis nous, on va être en bas en mode YOLO. You know what I mean, my man. Voilà, voilà. Fait que l'eau, on va la faire partir de là. Comme ça, je vais juste aller chercher des seaux d'eau. Ce sera pas bien long, mes amis, mes chers amis. You're damn crazy, motherfucker. Minerais. Ah, voilà, on a des minerais. On va essayer de descendre, comme j'ai dit, près de 1 encore. Comme ça, on peut faire ça ici, comme ça. Nickel. Nickel, mes copains. On va pouvoir claim ça. Ça va pas être compliqué. Un instant. Ouais, pardon, j'ai eu un problème. Alors, je disais... Oui, ça va être assez simple. Je veux dire, c'est pas une base mode YOLO swag, what the fuck. C'est une base simple. Avec un petit spawner. En bas, je vais essayer de faire des petits coffres. Et puis voilà. Et voilà, je vais pas me casser le cul, les amis. Les zombies vont tomber là. Moi, je vais mettre des demi-dalles là. Fait qu'on va dire qu'on va agrandir encore un peu par là.
Je crois que ça peut être intéressant d'agrandir un peu sur le côté, derrière, pour pouvoir faire peut-être des coffres protégés. Je sais que c'est quand même OP. So, OP, on fera des coffres avec... genre, on mettra Obsidienne. Obsidienne puis Water. Je pense que ça va être OP. Je sais pas encore. On verra bien. Sur les serveurs launcher, les amis, vous verrez, je suis pas très habitué de jouer parce que quand l'Obsidienne et les œufs de creep sont pas activés, c'est un peu plus dur pour moi de jouer. Mais bon, là, je commence à prendre du level dans les PvP comme ça. Je commence à trouver ce coup, etc. Fait que voilà. C'est pas mal swag, ça. Et puis, ok, attendez, on est full. On va juste se vider. Ok, on va mettre ça là, vu que c'est super important. Avec tout ça. Tac, 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 tac. Par exemple, ça, plus ça, ça va là. On a peut-être un kit qui nous donne du bois. Ouais, je pense qu'il y a un kit de construction. Il y a du bois et de l'obsidienne. Ça, c'est super. On va utiliser le bois de junk parce que le bois de junk, c'est pas qu'un bois qu'on utilise fréquemment, disons ça ainsi. Je veux dire, qui utilise le bois de junk, sincèrement? Je pense pas qu'il y ait grand monde, entre vous et moi. Je suis pas sûr qu'il y ait même personne. On va faire quelques fours ici. Et puis on va mettre de la cobble. Comme ça, et comme ça. Comme ça, je vais pouvoir faire cuire mes minerais. I got money on my mind. Ok, ouais, what the fuck. Nickel, c'est drôle ça. Comment ça a fait? Je sais pas si j'étais seul qui a remarqué ça, mais j'ai l'impression que le bloc il se posait pas au départ. Puis d'un coup il s'est posé. C'est bizarre quand même. Je sais pas c'était quoi là. Tac, tac, tac. Tac. Qui vend du charbon? Personne, désolé. On va prendre le plancher, on va faire le plancher en sandstone. En mode YOLO beau gosse. Et puis voilà. Aussi les amis, vous avez été beaucoup à me demander de reprendre le let's play sur Sundaria. Je vais pas reprendre le let's play sur le serveur de Slide, je suis désolé les amis. Du moins je pense pas le reprendre. Pour l'instant, c'est pas prévu du tout. Même si ce sera, j'ai pas prévu pantoute. Je suis bien heureux avec les let's play que j'ai en ce moment. Et puis je suis bien heureux avec ma chaîne YouTube du moment. Je fais plusieurs let's play, plusieurs trucs et je m'amuse fortement. Plutôt sérieusement ces derniers temps, je m'amuse grave les amis. En quelques jours, j'ai joué quand même pas mal et puis je me suis grave amusé. Du moins, ouais, moi je m'amuse, après ça, peut-être que vous aimez pas le serveur ou whatever, mais moi, je le kiffe, ça m'aère la pute, et c'est important. Ok, voilà, voilà, c'est ce que je pensais. Comme ça, on va juste décorer un peu vite fait, vous me connaissez les amis, je suis le pro de la décoration, c'est si cher à rien dans Minecraft à part la décoration, tac, 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 et on va faire... C'est quoi? Je pense qu'on va faire quelque chose de spécial ici. Ok, good. On va faire juste ça comme ça d'abord. Wallou. Ok, loki. Et là, on va faire... ouais, c'est dans le fond du mur, on va le faire. En mode YOLO. Whoop-a-lay, whoop-a-lay, whoop. Pidou, pidou, pidou. Voilà. Voilà, 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 voilà. Hop là. Voilà, voilà. Voilou. Pour le plafond, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être... Ah, des dalles jungle. Non, c'est moche. J'aime pas, on verra bien. Ici, on va faire ça. Comme ça. Le mur, ben, comme j'ai dit. Glassstone. Comme ça, si. Comme ça. Nickel, bah ben, c'est parfait, ça. Parfait, parfait. Fait que là, on va juste faire notre affaire pour notre spawner, en gros. Ça va être assez easy, regardez. Je pense pas me compliquer la tête plus que ça. Ok, voilà. Je compte faire ensuite.
tac, 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 tac. Et je compte faire ça comme ça, comme ça. Hop là, je me suis fait à deux endroits. Alors ici, là, il manque deux dalles. So, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Et faire ça. On va faire ça, ça. Et on va prendre les escaliers. Je crois que les bébés zombies pourront passer là, so je crois que c'est mieux de faire ça avec des échelles au final. Yep, yep, yep. Et là, on va faire des blocs pleins, on va mettre des blocs de bois comme ça pour que ça soit plus swag. Hop là. Comme ceci. Des échelles. Des trucs comme ça. Et là, les zombies vont tomber là. Et nickel. Nous, vous ferez un chemin pour aller en haut. Je compte le faire ici. Vous l'aurez compris. Voilà. What the fuck? Ok, comme ça. Ok, nickel, ça marche. Super, ça c'est la bonne hauteur, comme ça si on a besoin de se mettre en AFK ou whatever, ça tombe là, nickel. Faut juste aller chercher des sources d'eau, ça je vais aller mettre mon home en bas, mettre des torches, une torche là, voilà. Voilà, on peut mettre des torches ici si on veut, ça dérange pas. On va faire un set home spawner, good job, on va faire le plafond après. Là pour l'instant je vais aller chercher des seaux d'eau. Voilà, voilà, c'était pour ça que j'avais fait deux pseudo. On va tout mettre ça là. Au moins j'ai fait un setombe pas comme dans l'autre base, les amis. L'autre base en fait on l'a perdu parce que j'ai fait un setombe. J'ai pas fait de setombe comme un cave, mais bon c'est pas grave, détail. Quelqu'un a un home à la surface. Et home de zombie. On va aller voir peut-être au home zombie, il y a peut-être de l'autre tour. Ah ben nickel. Ah si c'est pas insane ça. C'est le miracle de la nature moi je dis. Oh non, oh non, oh non, oh non. Ah non. Oh non. Oui. Yes. Ah ah. C'est PGM ce petit icône. Et si le PGM. T'inquiète, je suis à la sortie. Use bug de la mort. Use bug. En fait, il y a un anti-spam. Tu peux pas mettre deux messages de suite. C'est pas très grave. Hein, j'en ai foutu. Spawner. Personne, fils de pute. Voilà. Au moins, ça c'est clair. Kit minerai. À tous les 3 heures. Oh, damn, c'est cheat. Et là, par ici, on va faire un truc à water infinite. Comme ça, on pourra aller poser le truc de water infini là-bas. Tac, 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 et tac. Pour aller poser de la water, water. Water, water. It's the water, water. It's the water, water. Oh, pile poil. Oh bah c'est nickel ça. C'est nickel. Oh, oh je suis con. Bravo, bravo. Quel con ce petit compte ça. Vraiment un petit crise de cave. Hein. Tabernac. Esti de Chris, j'espère au moins que je vais avoir mon stuff.
J'espère que mon stuff est pas buggé. Oh, regardez mon stuff, il arrive. Gentiment et tranquillement. Home spawner. On va enlever les torches qu'il y a à l'intérieur là, couper le mur qu'il y a là. Dans le fond, le truc que j'ai fait, c'est pas très bon. On va enlever toutes les torches qu'il y a là. Pour que ça puisse spawner dans un bon radius. On va enlever la torche qu'il y a là aussi. Ça fait de la lumière. Boucher le corridor qu'il y a là, parce que ça a l'air à faire la lumière. Tac, 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 tac. Voilà. Et voilà, je le savais les amis, je le savais. Question de temps. Voilà, on a notre mob spawner les amis, après quelques minutes. Ça, c'est vraiment assez simple à faire un mob spawner. Vous trouvez un spawner, vous faites toutes les étapes que je viens de faire. Et vous avez un mob spawner qui explique assez bien. Bon après, vous pouvez en relier deux, mais je peux vous montrer ça dans un autre épisode si vous voulez. Mais voilà, en gros, vous avez toujours à aller avoir des zombies qui tombent. Aussitôt que vous avez fini de les taper, il y en a toujours d'autres qui tombent. Ils devraient tomber. En plus, vous pouvez garder un œil sur le petit spawner, combien il y en a qui spawnent et tout. So, je crois que ça, c'est le meilleur spawner qu'on peut pas avoir. Par exemple, faut juste être un petit peu plus haut. Faut juste se mettre à AFK ici. De deux blocs, je crois. C'est deux blocs. Exactement ici, si on veut que ça spawn. Mais bon, c'est pas si grave que ça, ça spawn quand même. So, voilà, j'espère sincèrement, les amis, que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. C'est Icon, le Pikachu de l'Internet. Ciao.